Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo astuce sur le P30, P30 Pro et P30 Lite. Et là, on va découvrir ensemble le mode simplifié. Donc, en fait, le mode simplifié, grosso modo, ça va être votre écran principal que vous allez retrouver ici, beaucoup plus simplifié, pardon, avec des icônes plus grosses et tout sur le plafond comme la barre Google, ça va être retiré. En fait, ça va être utile pour ceux qui sont pas trop téléphones et qui ont du mal avec tout ce qui est nouvelle technologie ou nouveau téléphone. Donc pour ce faire, on va juste aller ici, cliquer sur paramètres. Ensuite, on va aller dans système et mise à jour. Et là, nous allons chercher le mode simplifié qui est ici. Donc on va cliquer ici. Donc là, on trouve un écran d'accueil propre et minimaliste avec une disposition simple et de grandes icônes. Donc on va cliquer ici sur valider. Et là, on voit que le mode simplifié est activé. Du coup, voilà comment ça se présente. Donc là, on trouve le mode simplifié avec de grosses icônes. Pour tous ceux qui ont du mal avec la technologie, qui ont des gros doigts, ça peut être très 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 pratique pour eux. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je vais dans ici et que je reviens dans paramètres, là, on voit que même le mode paramètres, il a changé. Donc c'est beaucoup plus gros qu'avant. Donc on retrouve toujours à peu près les mêmes trucs, Wi-Fi, etc. Et là, on peut désactiver le mode simplifié en cliquant ici. On peut cliquer sur plus de paramètres. Il a accédé au menu paramètres classique que j'ai fait avant pour activer ce mode-là, mais avec des choses beaucoup plus gros. Donc pour ceux qui ont du mal à voir ou qui ont des gros doigts, je pense que ce mode-là, il est vraiment fait pour vous. Du coup, on retrouve tout beaucoup plus gros. Donc même là, vous voyez que même la juxtaposition, c'est beaucoup plus gros qu'avant. Moi, je trouve que ce mode, il est pas mal. Parce que pour avoir des icônes gros, pour ceux qui ont une mauvaise vue, etc., ou tous ceux comme moi qui ont des gros doigts, ce mode-là, il est vraiment pas mal. Après, c'est à voir en fonction de vos envies si ce mode-là va vraiment vous être utile. Mais sinon, voilà. Et pour quitter, tout simplement, on va juste revenir ici et cliquer sur quitter le mode simplifié. Et là, on retrouve le mode basique. Donc, si je reviens dans paramètres, on voit que là, on retrouve le mode basique. Du coup, voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve à nouveau pour une prochaine vidéo astuce. À plus!